Bonjour à mes spectateurs du jour. Vive les vacances, enfin, sauf pour ceux qui ont du travail à faire. Et d'ailleurs, je sais que vous aussi, vous avez du travail à faire. Donc ne l'oubliez pas, n'attendez pas le dernier jour pour tout faire. Hein. Je sais qu'on vous le répète assez souvent. Et c'est une mauvaise idée. Et pour donner le bon exemple, vous voyez que je fais des copies aujourd'hui, alors que c'est même pas le dernier jour. C'est le premier samedi des vacances, il reste moins d'une semaine. Hein. Donc voilà. Si vous voulez, vous installez, vous calez sur votre bureau, vous mettez à travailler en même temps que moi, on se voit une petite heure, et puis voilà. Ça donne de la motivation pour s'y mettre. Et c'est vrai que c'est pas facile. Alors, aujourd'hui, travail, donc on revient sur le travail par compétence qui avait été fait avant. Qu'est-ce que c'est ce reflet blanc derrière moi? Ah non, c'est sur le bureau, pardon. Donc on revient à un travail qui a été fait avant l'évaluation finale. Donc c'est une évaluation qui se faisait en compétences, qui date de fin janvier, donc effectivement. Donc c'était sur l'étude de l'homme, savoir si l'être humain lui aussi avait évolué. Et donc on va voir ça ensemble. Donc premier travail, vous avez ici des crânes aussi bien de fossiles que d'êtres humains actuels, avec un travail à petit fer. Et ici, un petit travail à faire sur le changement. Mais alors, c'est pas ça qui va être évalué, c'est plutôt là, puisque c'était une partie sur la reproduction humaine. Oui, parce que s'il y a évolution, c'est qu'effectivement, il y a eu... s'il y a évolution, c'est qu'il y a eu reproduction. Donc, on va voir ça ensemble. Les trois compétences à évaluer étaient de respecter les consignes de l'écrit, de prendre des informations et de savoir expliquer. Ouais, sauf que tout faire le premier jour, moi je connais personne qui en est capable. Hein. Mais bon. Alors, indiquer quel est l'ancêtre le plus ancien, c'est l'Homo erectus, c'est vrai. Bonne réponse. Hop. De cet élève, j'essaye de cacher le nom puisque là c'était pas replié. Tac tac, là, pas fait. C'est dommage, je demandais juste de décrire. Et enfin ici, pour la prise d'information, il y a la voix, la taille. Et là, le reste. Donc, expliquer ses noms. Sixième 5, et oui, ce sont les sixième 5. J'ai trouvé la figurine à imprimer pour ceux qui avaient une bonne note. Homo erectus, c'est juste, oui, au cours du temps ça a changé, je le vois à la forme du crâne. On sait pas mal, mais on peut être un peu plus précis que ça. Donc est-ce qu'elle a mis majuscule point? Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et là, que la forme du crâne, c'est pas très expliqué. Donc déjà là, il n'y a rien de fait. Là, alors il n'a pas fait de phrase, il n'a pas expliqué, et il a fait qu'une phrase surtout. Non, je suis désolé, c'est pas assez. Même si la réponse est juste. Hein. Alors, homme debout, le plus... et la phrase. Et alors, fallait faire une phrase pour répondre. Ah, mon stylo rouge me lâche encore. Trahi par les stylos rouges. Alors, demi-groupe. Demi-groupe. Je rappelle que pour les élèves que j'ai, on recommence à classe entière à la rentrée. Hein. Ah, là, voilà, elle a expliqué. Et le talon. Donc, elle n'a pas fait de phrase. Elle a bien pris l'information, elle n'a pas expliqué. Alors, l'homme debout, très bien. En plus, l'espèce humaine évolue quand le crâne d'Homo sapiens est plus rond, la mâchoire et le nez et les yeux. Voilà. Donc, je rappelle, j'ai pas évalué sur les autres questions, on n'a pas eu le temps de les faire. Vous voyez que les évaluations par compétences, c'est plus rapide à corriger aussi, c'est bien.
Homo erectus le plus ancien, elle a fait une phrase, c'est très bien. Le crâne est plus rond. Oh là là, les fautes d'orthographe. Et la mouchouille plus fine. Mais c'est juste. Oh, quand on a un animé à survie dans les forêts, donc c'est pour ça qu'ils sont petits. Mais c'est très bien ça. L'acné. Alors, c'est l'homo erectus, l'espèce à chaleur, le cerveau, la mâchoire c'est affiné, mais c'est très bien. Donc, tac, tac, et tac. Alors attention, j'ai dit changement dans le corps, l'adolescence, c'est pas le corps. Alors l'homme le plus ancien est Erectus. Erectus. Et le point n'y est pas. L'espèce humaine est oui, le crâne ça va parce que les crânes ont grandi, etc. Ça c'est pas assez précis. Donc le problème est que. Déjà, il n'y a pas les points au fond des phrases, il n'y a pas les majuscules au début, donc elle n'a pas la compétence. Les mots sont mal recopiés, et là, elle n'a pas expliqué. Bonsoir, Léopold. Oh, aujourd'hui, normalement, on devrait faire un petit score. Ce sont les vacances, personne n'attend. Voilà, oh, la majuscule, là, c'est pas fait. Et là, la question, c'est dans le coeur. Donc, pas d'explication. Phrase pas bonne. Mais il a quand même trouvé qui était le plus ancien. Alors, oh, ça, je l'ai déjà fait. Génial. Et ça, alors. Oh, ça, je l'ai déjà fait aussi. Oh, finalement, peut-être que pour les 6e 5, j'avais pas tant de retard que ça. Ah, si, quand même. Alors. Là, c'est plus difficile de cacher les noms. Hein. Ah. Alors, normalement, à la rentrée, oui, c'est une salle, une classe. Si j'ai bien compris ce qu'avait proposé le chef d'établissement. Ça sera, sauf pour les cours, notamment en SVT, où il y a des salles spécialisées. Mais a priori, ça sera une salle, une classe, nettoyage des mains, on ventile, etc. Les poils dans la main. À la puberté, les garçons ont les poils dans la main. Bon, il sait pas ça le sort, mais il a fait une phrase, il a mis le majuscule, etc. Hop. Oh, vous êtes embêtant. Alors, changement qui passe par l'inflation. Les menstrues, très bien. Le bouton, l'acné. Et la voix. Alors, la voix, c'est avec un X qui change. Très bien. Et le point ici. Désolé, je ne m'apprends plus la question. Elle a mis la majuscule, mais elle n'a pas mis le point, elle a fait qu'une phrase. Est-ce que tout le monde est en vacances là parmi mes 6 spectateurs? La tête. Les tétés qui poussent. Les seins qui poussent, les tétés. Et les règles qui viennent, ça c'est chez les filles et les garçons. Mûrir, devenir un homme ou une femme? Non, le but c'est de se reproduire. Alors elle sait pas bien son cours et elle a bien fait des phrases. Sont chez les femmes, la voix chez les garçons. Très bien. Les changements sont pas bien pour les femmes de préparer à voir l'embryon. Ben, c'est très bien. Oh, je suis en train de préparer mes vidéos do it yourself pour la rentrée. J'en ai déjà une de faite. Et j'en ai une à monter. Et j'en ai une troisième à faire. Et après, je vais préparer les vidéos geek aussi. Je prends un peu d'avance pendant les vacances.
Règle chez les filles et la pousse des poils chez les garçons et les filles. Je connais pas la réponse à cette question, je vois bien. Mais comme il y a une réponse sur deux, c'est une validation de la compétence, je sais apprendre. Oula, ça c'est vieux et c'est même pas la bonne classe. Ça aussi. Ah, mais c'est pas vrai à chaque fois. Ah, ouf, petite coupure. Ah, mais je vais aller voir tout de suite alors. C'est quoi l'adresse? Et pour ceux qui sont là, mettez le lien sur votre adresse, sur votre chaîne. Ça, c'est déjà corrigé. Oh là là, c'est déjà corrigé aussi. Formidable. J'ai été plus sérieux que ce que je croyais en fait. Ça aussi, c'est déjà corrigé. Ça aussi c'est déjà corrigé. En fait j'ai plein de notes à saisir. Ça aussi c'est déjà corrigé. Et ça aussi. Et ça aussi. Oh là là, génial. Et ça aussi. Oh là là. Le 6ème 5, j'ai tout corrigé. Formidable. Oh, les vignettes, c'est propre. Je vous montre ce que je fais quand même. Hop, 451 abonnés. Je sais qui c'est, le 451e. Oh, avec son Thingiverse. Oh, j'aurais pu le mettre aussi, tiens. Ah ben, c'est pas mal, 1200 vues. 114 vues un jour. Pétard, je serais content si je faisais ça. C'est bien, c'est bien. Faut pas hésiter à se lancer comme quoi. Bon, moi je vais prendre un autre copie parce que le 6ème 5 finalement j'ai tout fini. Donc je vais prendre une autre classe. Une autre classe avec qui j'ai du retard. Tiens. Oh, je vais rester dans les 6ème. Ah, je vais rester dans les 6ème, je vais faire les 6ème 4. Voilà, j'avais plein des 6ème 4 aussi. C'est pas aujourd'hui qu'on va battre le record. Alors, hop. La puberté, la phase où on devient fertile et capitaine, le changement qui est mental. D'accord, il y en a qui sont plus faciles à corriger que d'autres.
La puberté sur le passage à la fin de l'adolescence, les poils qui poussent à tout le corps. Un caractère qui change, mais c'est bien ça. Ah, ça c'est pas bien. Oui, on est d'accord, ça c'était facile. Conseil de classe des 6e 5, je sais pas, normalement on a reçu les dates. Je n'ai pas appris ma leçon comme c'est original. Arrêtez de mettre des phrases comme ça. On le voit bien que vous n'avez pas appris votre leçon. Indique. Ah, elle a copié les questions. Voilà, c'est déjà bien. Hein. Alors, la puberté est une période où on grandit mentalement et physiquement. Ça, c'est un E. Pour les garçons, dans la puberté, il existe deux changements physiquement, mentalement. Mais c'est très bien. Voilà, elle connaissait sa leçon. La puberté, c'est quand tu grandis. On n'a pas de nouvelles choses. Plusieurs choses vont changer. Non, c'est nul. Le changement physique et mental, et changement d'humeur, ça c'est bon, donc ça fait une réponse sur deux. Ça suffit pour avoir son petit point vert. On est loin des notes sur 20 hein, ou sur 40. Hein. Alors, voyons voir. Alors, conseil de classe, je vais regarder hein, ce que j'y suis, comme ça je vous dis. Hop. Je vais pas. C'est le classe et date. Réunion, réunion, rapport, signature, mise à jour. Je crois qu'on l'a reçu sur Pronote. Je crois que je cherche. Alors, voyons voir. Ah non, 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 la compétence des phrases, j'ai déjà dit à mes élèves que comme ils y arrivaient tous, c'était pas nécessaire de l'évaluer à nouveau. Alors. Ah tiens, juste j'y pense, puisque je l'ai trouvé, que je vous montre quand même. Notamment, je pense à Maxime, s'il est toujours là. J'avais dit que je trouverais Voyez, regardez. Donc là, j'ai fait 2021. Ça sera la figurine que je vais imprimer pour récompenser les élèves qui ont une bonne note au devoir sur 40. Alors j'ai écrit 2021 et puis je sais pas encore ce que je vais écrire. Bravo pour ta note en SVT, etc. Et je vais chercher de quoi la peindre et j'en ferai une petite vidéo sur comment j'ai récupéré la figurine, comment j'ai changé sa taille, comment je l'ai mis sur SingerCAD, comment j'ai écrit un texte comme ça là. Qui est arrondi parce que dans Tinkercad c'est normalement pas possible et qu'est ce que ça donne une fois imprimé. J'ai calculé, il m'en faut 5 de figurines. Je vais faire des bronzes, argent et une or pour celui qui a eu 40 sur 40 quand même. Il mérite au moins ça quoi. Allez, on retourne aux copies qui elles n'apportent pas de figurines hein, faut pas exagérer non plus. Alors voyons voir. Tracer le cycle d'être humain. Alors, femme, homme, accouplement, fécondation, naissance, grandir. Mais qui est grandir? Il n'est pas grandir dans le truc. Majeur, adulte, jeunesse, non. Non. Et le titre?
Alors, je rappelle que là, il a mis des mots, mais en fait, ils étaient écrits ici, les mots accouplement, femme, enfant, homme, naissance, fécondation et adolescent. Donc, adolescent, il n'a pas mis. Fécondation, c'est bon. Naissance, c'est bon. Il en a oublié un, quoi. Là, il fallait colorer suivant que ce soit l'homme ou la femme et surtout mettre une légende. Donc, comme il a ni mis le titre ni mis la légende, on peut dire qu'il ne sait pas les règles à suivre pour faire un schéma. Ah, c'est pas qu'on dirait le perso de Fallout, c'est Mr. Volt, c'est le personnage de Fallout. Je le trouvais sympa avec son... Est-ce qu'on le voit là ? Avec son pouce levé, là. Je trouvais ça sympa. Puis, si jamais je le refais, je trouverai une autre figurine. Mais au moins, il y a une petite référence geek. Et en plus, je suis pas sûr que mes élèves la connaissent. Bon. C'est un jeu de vieux, quand même, Fallout. Hein. Faut... C'est un très bon jeu, mais... Il n'a pas dit... Ah, et ça. Alors, prendre soin du jeune, mettre au monde le nouveau-né, les hanches, les ovaires fabriqués, l'utérus se développe, très bien. Mais c'est très bien, ça. Voilà. Alors, et là le titre. Ah, là les légendes. Rouge, femme, noir, homme, les deux, rouge et noir. Voilà, ça c'est homme. Et pourquoi il n'a pas de stylo? Déjà, il n'a pas son matériel, ça me plaît pas. Il n'a pas le titre, mais là, il a mis la légende. Donc ça va. Et alors, est-ce que c'est complet? Femme, homme, accouplement, fécondation, naissance, homme, homme, naissance, enfant, adolescent. Donc ça c'est bon. Les changements sont dus aux hormones. Très bien. Mais feutre, il passe un peu à travers quand même. Alors, modification de notre truc. Les ovaires se développent. Les hanches s'arrondissent. Ça c'est bon aussi. Alors, voyons, voyons. Au 7, c'est pas mal pour une période de vacances. Tiens, je suis en train de découvrir Twitch. J'y suis pas encore. Hein. En fait, j'aimerais pouvoir faire un live sur Twitch et sur YouTube en même temps. Le titre. Et la légende. Allez, ça, c'est pas fait. Homme, femme, accouplement, fécondation, naissance, enfant, adolescent. Très bien. Ça, c'est pas un cercle, c'est pas un titre. À quoi sont dus? Non. Mais elles me disent qui se change. Alors, moi, je demandais pourquoi ça change. Non. Les règles qui se mettent en place, ça permet pas de fabriquer des ovaires. Les ovaires se développent, fabriquer ça, d'accord. Non plus. C'est pour permettre. Oh, j'ai le réflexe maintenant. T'entends, je regarde un peu mes commentaires. Alors, oh là là, il y a un titre. Mal placé, mais il y a un titre. Homme, femme, adolescent, enfant, naissance, fécondation, accouplement. Bon, c'est bien. Et le cycle de vie, il l'a mis ici aussi. Femme et homme. Tiens, il a mis une autre couleur. Alors là, c'est pas femme et homme. Hein. Je suis désolé, celui-là, il est faux. Ça, c'est pas femme et homme. Je suis désolé, mettre au monde... Alors, faites attention, mettre au monde le nouveau-né, c'est pas femme et homme. Hein. C'est que femme. Hein. Prendre soin du jeune, c'est les deux. Permettre la fusion, c'est les deux. Ça, c'est que l'homme. On est d'accord. À cause des hormones, très bien. Et voyons voir ici. Il y a eu un élève de 5e qui a dû le préparer comme malade, à mon avis. Mais du coup, il a eu 40 sur 40.
Oui. Donc lui, même s'il n'est pas dans la classe où je suis professeur principal, je vais lui faire une petite figurine en doré. J'ai dit au-dessus de 30, je mettrai bronze. Au-dessus de 35, je mettrai argent. Et à 40, je mettrai une petite figurine dorée. Ça lui fera une surprise, c'est marrant. Ça, c'est bon. 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 Ça, ça. Et ça, c'est plus difficile. C'est pas grave. Mais c'est très bien, ça, comme travail. Voilà. Donc, c'est possible. Ah! Et si on mettait le nom? Parce que moi, je sais pas qui c'est comme élève. Voilà, du coup, je suis bien embêté. Alors, les deux, prendre soin du jeune, permettre à la fécondation, très bien. La femme, tac, 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 et l'homme, très bien. Cycle de l'être humain, on peut le souligner, ça fait pas de mal. Il y a un titre, il y a une légende, voilà. Ce sont dus aux hormones, mais excellent. On met un point, par contre, à la fin. Prendre soin du jeune, protéger l'embryon, très bien. Fabriquer des cellules. Les règles à la part reliée, c'est normal. Les anges s'arrondissent, mettre au monde le nouveau-né et permettre la fusion. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Tac, très bien, très bien. Mais c'est très bien tout ça. C'est très bien, mais je sais pas qui c'est. Ah mais comment je vais faire? Eh ben désolé, 3 points verts de perdu. Tant pis. Et là, pareil, la légende. Et là, le titre. Alors, je suppose que le titre, c'est ça. Mais c'est pas clair. Ça, ça rien. Là, c'est pas fait. Alors, est-ce qu'au moins, c'est juste femme, homme, accouplement, fécondation, naissance, enfant, adolescent. Bon, allez. Oh là là là, il en manque là. Non, les ovaires fabriquent pas des cellules mâles. Je suis désolé. Pas bon. Alors. Et là, la légende. Il n'y a toujours pas la légende. Ensuite, ça c'est les deux. Ça c'est les deux. Ça c'est la femme, ça c'est juste. Ça c'est faux. Ça c'est les deux aussi. Ça c'est pas l'homme. Oh là là, n'importe quoi. Et là le titre. C'est pas faute de répéter 15 fois les règles à suivre quand même. Alors, le corps d'enfant de plus en plus grand et les gonades, c'est pas la question. Alors, poitrine c'est bon. L'utérus se développe, d'accord. Les ovaires se développent, d'accord. D'accord, les anges sont distraits, mais ça c'est bien. Donc ça c'est pas bon, mais ça c'est bon. Alors, femme, homme, accouplement, fécondation, naissance, enfant, et le titre. Ah, on a mis la légende, c'est déjà pas mal. Et les hommes, ils sont où? Et là, la phrase, elle est où? Et alors, on va y avoir. Tout va être décisif ici. Prendre soin du jeune, c'est bon. Tac. 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 C'est pas mal. Ta 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 ta. C'est bien. C'est bon. Allez, prenons celui-là maintenant. Oh, le même que tout à l'heure. Mais pour les 6e 4 cette fois. Ça c'est faux. Le crâne a beaucoup changé, l'intelligence, ça on le voit pas, désolé.
C'est pas bon. Il n'y a pas les points, tiens. Ça, j'avais dit qu'on le faisait ensemble. Bon, alors là, il n'y a pas grand-chose. Chez les filles, qui poussent partout. Non, pas partout. Pareil que les garçons. Même chose. Si t'es deux changements morphologiques chez les filles, hein, y a des poils qui poussent partout. Même chose chez les garçons. Donc si t'es des changements morphologiques, pareil que les garçons. Pour le crâne, à pas expliquer. C'est triste. Oh, j'ai toujours pas fait ma vidéo TikTok. Faut absolument que je la fasse. Hein. L'homme le plus ancien représenté, le singe du sud. Ben non, c'est un singe, c'est pas l'homme. Là, c'est pas fait. Là, on n'avait pas à le faire. Caractère à la partie, le pubis, et elle commence sa transformation. Et c'est pas la question. Il faut citer deux changements. Et le point ici, il n'y est pas. Bon, ça va, là, il y est. On va dire que là, ça va. Là, c'est faux. Et là, c'est faux. Eh ben. Me fatigue, cette classe. Et ça, ce qui est terrible, c'est des élèves qui pensent qu'ils vont y arriver, tu sais. Ces élèves, quand tu leur dis mais ça va, ils te disent oui, ça va, c'est juste que là j'avais pas envie. L'ancêtre de l'homme, c'est pas un homme celui-là. Il a beaucoup évolué, d'accord. Comment? Il a écrit à l'aide d'une description. Et là c'est pas fait non plus. Eh ben. Je vais arrêter de m'énerver quand je fais des lives de correction. Hein. C'est l'Homo erectus, le premier debout. Ah merci. Ça c'est bon, ils ont un crâne de plus en plus gros parce qu'on voit le changement. Ça va encore. Ça s'appelle la puberté, excellent. À quel âge ça commence? Non, ça dure pas. Ouais. Non, morphologique, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors c'est l'inverse, tac tac. Est-ce qu'elle a mis des points? Oui, des majuscules, oui, tac, tac. Et elle a expliqué. Ah, donc c'était possible de réussir quand même. Faudrait faire, genre, je suis en train de regarder le site de Léopold. On pourrait se faire une vidéo à deux. Je sais pas comment, hein, mais ça serait drôle. Un crossover de youtubeurs. Comme si on était des vrais. Bonjour Grégory. Alors l'Australopithèque, c'est pas un homme. C'est un singe justement, parce qu'il s'appelle singe du sud. Et moi je demande l'homme. Pas la même espèce. Oui, parce que les dégâts. Déjà, les crânes changent. Oui, mais comment? Puisque je demande de décrire les crânes ci-dessus pour expliquer à partir de ça. Et là, il n'y a rien. Ah, ben au moins comme ça. Est-ce qu'il y a des points? Oui, c'est ça. Ben, au moins, il y a ça, quoi. Alors, voyons voir ici. Bien, vous-même. Vous n'êtes pas en vacances, vous? Hein, Grégory? Vous, il me semble que vous êtes dans une période, dans une zone où ça a déjà repris. Très bien. Car je remarque que la forme a changé. Alors, à décrire. Mais au moins, elle m'a parlé de la forme du crâne. Il a pas. Ah
Alors, saisie d'information, non. Explication, on va le compter. Et les phrases, oui. Avant-dernier. Homo erectus, très bien, il a évolué parce que la forme du crâne a beaucoup changé. À décrire. Non, ça s'appelle pas ado. D'accord, la poitrine et les poils, très bien. Très bien, les émotions. Oh là là, par contre, il faut apprendre à écrire. Hein. Et enfin, le dernier de ce paquet. Et le point. Très bien. L'espèce humaine change, s'arrondit en même temps pour le crâne. Très bien. Moi aussi, je sais que le crâne s'arrondit. Je suis bien placé pour le savoir. Oh, que trois spectateurs. Ah non, la puberté. Très bien, très bien. Une accélération. Accélération de quoi? C'est pas mal quand même. Est-ce qu'il y a des points? Non, il n'y a pas les points. Non. Et voilà, encore un paquet de feuilles. Alors, on voit un peu la leçon. Voilà. Oh, c'est marrant, j'ai eu une alerte de YouTube en me disant ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de vidéo, c'est rigolo. Il s'est inquiété de plus me voir. J'ai failli leur dire c'est les vacances. Alors mon nombre de vues a chuté. Mon dieu, catastrophe. Je sais pas si je vais m'en remettre. Bon allez, je finis ça. Donnez la définition de. Bon, mais déjà. À l'époque, je comptais encore les phrases. Eh bien. Oui, mais c'est rare. Y a pas le point, y a pas le point. Oh. Alors dans la définition, expliquer par quoi c'est influencé. Bon, au moins elle a copié les phrases. C'est pour la beauté, non? Il me semble. Est-ce qu'il y a des points, hein? N'importe quoi. Eh ben, si j'ai val de leçon, ça fait mal. Hein. Oui, parce que ce sont les sont pas les copies. Je rappelle que je corrige en compétence les petites évaluations qui se font tout le long de l'enseignement. Ce sont des sixièmes, les sixièmes 4, parce que les 5, j'avais déjà tout corrigé. J'évalue par compétence pour l'apprentissage, puisque j'estime, bon après c'est un choix perso, hein. J'estime qu'on apprend mieux quand on n'est pas bloqué par une note. Parce que imaginez un élève qui ne sait pas faire quelque chose parce qu'il est en train de l'apprendre, qui se prend 5 sur 20. Même si à la fin du trimestre, il a très bien compris qu'il a un 15, ça ne fait quand même que 10 de moyenne, alors qu'il a progressé. Et c'est un peu dommage. Alors que là, c'est du point rouge et des points verts, donc on peut voir la succession des deux. Alors que quand vous faites une moyenne,
la note, la première, compte autant que la dernière. À moins de mettre des coefficients et compliqué. Donc c'est compliqué. Donc je préfère faire, quand on est en train d'apprendre, faire une évaluation par compétence, c'est-à-dire une évaluation formative. Vous êtes en train d'être formé. C'est donc normal que vous ayez le droit à l'erreur. Je rappelle que le droit à l'erreur, c'est le plus important quand on apprend finalement. Par contre, quand on fait une évaluation entre guillemets finale, ben là, c'est important d'avoir une note pour se situer par rapport à une moyenne et dire voilà si ça a bien marché ou pas. Oui, je vais modifier le titre. Bonne remarque. Non. 604. Et voilà. Hop là. Et voilà. Donc là, on va passer sur l'étude de l'évolution. Il n'y a pas un qui m'a mis la date. Heureusement que je précise qu'il faut mettre la date parce que sinon, voilà. 27 janvier. Donc c'est vraiment des trucs de fin de. De fin de période. Donc là, l'idée était. Hop! J'ignore l'annonce pour revoir ma musique. Quand même plus sympa en musique. Le titre. Ah, faut que j'essaye ça. Bim. Est-ce que ça a inséré une annonce? Il y a 15 secondes, parce que j'ai un peu 15 secondes de latence. Ah, très bien. On peut envoyer 500 € dans le chat. C'est une blague. J'ai du mal avec ça. Bon. Ah, vous en avez pensé quoi? Tiens, à la limite, à la fin, je vais le montrer. Bon, quand même, je finis ça. Ça, c'est mon travail. Alors, non, ils peuvent pas se reproduire ensemble. Ah oui, j'explique l'exercice quand même. Donc, l'idée, c'est de voir comment se créer de nouvelles espèces. Oui, parce qu'en sixième, normalement, il faudrait déjà commencer à étudier l'évolution. Et l'évolution, c'est bien la disparition de certaines espèces, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. La disparition d'espèces existantes ne pose pas de problème. On pense souvent aux catastrophes, aux fameuses météorites, pas vraiment les météorites, mais bon, c'était l'idée à l'époque. Mais aussi, il faut parler de comment une nouvelle espèce apparaît, parce que s'il y en a qui disparaissent, ah ouais, 1 000 €, il faut aussi voir comment de nouvelles espèces apparaissent. Donc là, vous avez un exemple qui est super intéressant d'ailleurs, qui a été étudié comme le Molestus ici, c'est le moustique des métros, parce qu'en fait il n'existe que dans les métros à Londres, et c'est vraiment une espèce à part, c'est-à-dire qu'elle se reproduit entre elles, fait des petits qui lui ressemblent, etc. Ils l'ont comparé au Culex pipiens, qui est le moustique classique qu'on connaît, et ils se sont aperçus qu'en fait ce Molestus est apparu à partir du pipiens, parce que quelques moustiques de ceux-là qui étaient à la surface se sont retrouvés dans le métro et n'ont pas réussi à sortir, et ils se sont reproduits entre eux dans le métro, ce qui fait qu'il y a eu une divergence évolutive. Mais c'est vrai que c'est très intéressant à voir pour comprendre comment une espèce se forme, parce que ça s'est fait sur entre 30 et 50 ans, ce qui veut dire que c'est très très rapide quand même. Et c'est un exemple qui devrait être pris plus souvent à mon avis dans les classes pour comprendre ce qu'est la spéciation, à savoir la création d'une nouvelle espèce. Alors, tatata, Molestus, reproduction. Et le reste. Tatata. Et alors, deuxième exemple que je prends, c'est celui du
Pouillot Verdâtre. Si vous ne connaissez pas la vidéo, il faudrait que je vous la mette. Super sympa, qui explique comment une espèce d'oiseau a pu en faire évoluer deux. Ah non, j'ai pas fait le Gérard Philippe News parce que c'était un travail avec des élèves. Et cette année, j'avais pas d'élèves qui voulaient le faire. Donc, j'ai pas fait le Gérard Philippe News. Mais c'est assez marrant à faire. Donc, expliquer, il n'y a pas d'explication. Et prendre des informations, c'est pas assez complet. Eh ben, au moins comme ça. Ah, voilà. Et le titre. Reproduction toute l'année, pique le jour, intolérant au froid, c'est pas mal. Déjà, il a pris les informations, ils ne peuvent pas se reproduire. Très bien. Ah tiens, ça doit voir sur variabilité, qu'est-ce qu'il fait là? Je vais le mettre avec le reste. Ah oui, on pourrait faire ça la semaine prochaine, tiens. Un live sur je pose des questions à un professeur de SVT. Ah, ça pourrait être marrant. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, effectivement. Bah, si vous avez des questions, dites-le. Hein. On est 4. Ça va pas déranger grand monde. C'est ça le titre. Ça, c'est pas un titre de tableau. Mais ça, c'est bien, par contre. Non, ils ne peuvent pas se reproduire. Ils n'ont pas le même habitat, mais c'est très bien. Oh, on n'a pas mis son nom. Encore des points verts qui vont se perdre. Oh, pensez à mettre votre nom. Tiens, si je faisais un post sur... Regardez, je fais un post en direct. Et je vous montre en plus. Hop, créer. Créer un post. Et comme c'est son âge, et voilà, un post en live. Et je vais renommer ma vidéo « Comment faire un post ». Alors, je regarde. Ouais, presque 200 000 espèces. Ouais, enfin, ils comptent tout. Hein. 200 000 espèces, animaux, végétaux, champignons ou bactéries. Enfin, 1182 854. Donc, 118 000 d'espèces animales. Ah, enfin.
Non, 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 ça me semble pas beaucoup. Voilà, ça c'est déjà plus raisonnable. 7 millions 7 d'espèces animales. 200, 300 000 espèces végétales et 600 000 espèces de champignons et moisissures. Et là, il y a 1 million 2. Bah, dites donc, pour avoir un vrai chiffre, c'est compliqué. Mais pourquoi le premier résultat, il est tout pourri? Ah, c'est en France, voilà. Donc le premier chiffre, c'est en France. Ah, et sur Terre, 9 millions d'espèces. À peu près. Dont 7,7 millions animales. Mais il n'y a qu'une virgule 23 espèces qui ont été découvertes. C'est-à-dire qu'il y en a encore pas mal, on sait qu'elles existent, mais on ne les a pas découvertes. Eh bien, ça rend modeste. 13 ans, il me semble. Allez, je regarde aussi. Ans. Ou 13 ans et avoir le consentement du parent ou du tuteur légal sur Family Link. Voilà, c'est les conditions de YouTube. Mais honnêtement, si vous êtes jeune et que vous faites une chaîne YouTube ou TikTok ou n'importe quoi, faites des vidéos comme Léopold sans mettre votre tête. Moi j'ai mis ma tête parce que je suis très narcissique, hein. Il faut bien une raison à être enseignant. Mais bon. Alors, et là le titre. Reproduction, reproduit, tatata, pique le jour, mais c'est bien. Pas la même espèce, pas mal. L'explication peut être un peu revue. Là, c'est pas fait. Et là, c'est pas fait. Bon, il a bien rempli son tableau et il a expliqué quand même. Allez. Bah là, il en manque. Ah, mais là, le tableau, il n'y a carrément pas le tableau. Bon. Les œufs étaient stériles. Donc, non. Ah, ça, c'est très bien. Ça, c'est pas terrible. Donc, il a bien expliqué, mais il n'a pas pris d'infos. C'est bizarre, d'habitude, c'est... Oui, je taquine, hein, je connais pas encore bien votre chaîne. Mais c'est vrai que je trouve que c'est une attitude relativement saine de pas montrer sa tête tout de suite. Parce que j'y réfléchis après. Moi, je l'ai fait au départ parce que je voulais pas que mes vidéos de cours soient piratées pour d'autres contenus. Finalement, c'est moi qui les fais, donc c'est moi qui les utilise. Et il y a pas mal d'enseignants qui utilisent... qui utilisent des vidéos d'autres et qui ont tendance à pas préciser de qui elles sont, et je voulais pas qu'on me pas pirate, qu'on me phagocyte mes vidéos et qu'on s'en approprie l'utilisation sans que au moins on sache que c'est moi qui les ai faites. Donc au moins mettre ma tête partout, ça a l'avantage que comme Mathétique par exemple, lui il pourrait très bien faire des vidéos sans sa tête, mais finalement l'avantage de mettre sa tête, c'est qu'on ne peut pas dire que c'est pas qu'on peut pas dire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait des vidéos. Voilà. Au moins, c'est même... voilà. Et le titre. Et là, pareil, pour les lives, je pourrais ne pas mettre ma tête, mais quand je discute, c'est quand même plus sympa. Non, mais c'est un très très bon choix, Léopold. Ils n'ont pas le même caractère, non, c'est pas ça. Eh bien, non, attends, est-ce qu'elle a bien rempli le tableau quand même? Reproduction, hein, quand elle pique jour, nuit, tolérant. Oui, ça va. Le tableau est quand même bien rempli. Ah! Et là, le titre. Je crois qu'il y en a pas une qui a mis un titre pour l'instant.
Alors, à côté de moi, non. Maintenant, honnêtement, quand vous cherchez des chaînes YouTube, on a 3 tonnes. Et en fait, j'ai fait la mienne parce que je voulais des trucs très précis qui correspondent à mes documents, pour que ça puisse aider mes élèves. Et puis finalement, je suis payé pour préparer les cours, donc c'est normal que je prépare mes cours. Enfin, je vais pas prendre les cours de quelqu'un d'autre. Non, parce qu'ils ont différents quoi. Non, n'est que dans le métro, c'est pas la question. Et là non plus. Eh ben. Et encore un qui a pas mis le titre. Fatigant cette histoire de titre. Ah, j'ai déjà eu un vote. Ouais, elle est bien là, sa chaîne. Mais j'y jetterai un oeil ce soir. Alors, caractéristiques, reproduction toute l'année selon le printemps et le reste. Peut pas se dehors et l'autre vit très bien dans des foyers, non, dans des métros. Excellent. Parfait. Ah, il n'a pas tout pris, mais il n'aura pas un plus. Là, il peut avoir un plus en explication. Ah, ben voilà, ça fait 1 heure, hein, mine de rien. Là, caractéristiques, reproduction toute l'année. Et le reste. Et le titre. Fatigant ce titre. Oui, de bonnes vacances. J'essaye de prendre de l'avance dans mes vidéos. C'est une chose que j'ai rarement faite. J'ai déjà 2 vidéos do it yourself, j'en ai encore une troisième à faire, bah, Col de Léopold. Sur les comment faire des cisternes, et puis j'ai un collègue qui peut couper du bois avec un laser, et donc je pense qu'on va essayer quelque chose comme ça. Non, mais c'est vrai qu'elle a l'air sympa cette chaîne. Je suis curieux de voir, très honnêtement. Je suis curieux de voir. D'ailleurs, en fait. La vidéo sur le tableau perforé. Mais j'ai pas vu le titre exact, évidemment. Les panneaux perforés. Et j'ai vu qu'avec les panneaux perforés, on pouvait se faire un atelier un établi festool avec les trous là. Celui-là aussi, il faut que je refasse mon établi, il faudrait que j'en fasse une vidéo tellement c'est bien ces établis. Alors non, quand ils se croisent pas, ils passent. Mais ça c'est très bien, ça c'est dommage. Et là c'est pas fait. Donc, explication ça va, mais par contre prise d'information c'est incomplet. Voilà. Ah, ça c'était un travail à faire à la maison. Donc je vais le corriger. Ah, ça c'est quand elle m'a donné son travail à faire à la maison. Plus tard. Donc ça je vais le mettre avec l'autre paquet. Bon. Ah ben, ça fait 1 heure. J'ai fait quelques paquets. Il faudra que je relève les notes. Je pense qu'une heure de travail, on est pas mal. Je vais parler de 2 choses. Je vais parler de mon site internet. Bonjour. Ah bah tiens, monsieur 40 sur 40. Je crois que c'est lui. Ah ah, j'ai dit aux autres qu'il y avait une surprise pour vous. Quand je pourrai l'imprimer. Hop. Alors je vous montre ce que j'ai fait, parce que ça aussi peut-être qu'il faudrait que j'en fasse une vidéo. J'ai testé Chamilo pour du e-learning, c'est pas mal, mais donc là par exemple j'ai mis toute la leçon 3 de SVT. Donc quand on clique dessus, bon on a qui est-ce qui le fait, hein. On peut s'inscrire aussi pour faire les tests si on a envie.
On a tous les documents. Donc les documents PDF. On a tous les liens vers les vidéos. Préparation de cours et numéro du cours. Et surtout, on a deux exercices, il me semble. Ouais. Non, ils sont pas là. Ah non, je les ai peut-être pas mis. Et on a surtout le parcours. Donc le parcours, ça permet d'avoir... Voilà, toutes les vidéos dans le mode ordre. Donc on peut regarder les vidéos, puis après on a le travail à faire en PDF. En PDF, pardon. Et ça vous dit à combien vous avez avancé. Donc là, il y a le travail à faire, qui était à faire. Et puis après, vous avez le contenu du cours derrière, qui permet de voir qui a fait quoi. C'est une façon assez sympa de ranger les cours. Ça, je le mets là. Bonjour, Naré. Et je me suis pas trompé aujourd'hui, c'est un miracle. Donc là, on voit très bien la... comment la leçon 3 a été faite pour les 5e. En fait, il faudrait que je fasse ça pour les prochaines leçons, que mes élèves puissent le tester. Et en plus, je l'ai mis en accès libre. C'est-à-dire que quand vous allez sur le site, vous n'êtes pas obligé d'avoir un nom d'utilisateur, le cours est directement prêt. Il faudrait que je mette des icônes, tout ça, parce que là, c'est pas très... Il faudrait que ça, je le change aussi, il faudrait que... plein de choses. Mais en tout cas, c'était un bon test à faire. Voilà, mais je vais essayer de faire ça pour le chapitre 2. Parce que là, on va recommencer les leçons de façon... Je sais pas comment je vais faire, d'ailleurs. Pour séparer entre groupe et pas groupe. Je vais peut-être utiliser ça. Donc, effectivement, je vais peut-être faire ça pour le chapitre 2. Il faut que la deuxième semaine, j'en profite pour montrer. Et j'ai prévu une vidéo sur comment mettre en place un nom de domaine, puisque j'ai payé un nom de domaine et j'ai mis en place un site internet. Donc, je vais montrer comment on se réserve un nom de domaine et comment on met un site déjà construit en place sur un hébergeur, alors pas gratuit, mais pas très cher. Je crois que la première année, ça me coûte 2 euros. Et après, c'est 1 euro par mois. Et donc, ça me fera aussi une vidéo geek de comment je m'achète un nom de domaine et comment je l'utilise pour montrer ce que je fais. Donc, vous voyez, j'ai pas mal de trucs en préparation, mais que je mettrai à la rentrée. Là, j'essaye, pendant les vacances, de prendre de l'avance. Oh, on est monté à plein. Ah si, c'est le seul à avoir eu 40 sur 40, si, c'est le seul. J'ai eu des 39, j'ai eu 38, mais 40 sur 40, pour l'instant, c'est le seul, il me semble qu'il y a encore une demi-classe qui doit faire le contrôle. Et vous avez vu, j'ai rentré les notes, hein, comme ça vous avez pu les montrer à papa et maman. Hein. Bon. Bon, bah écoutez, ça fait 1h04 de live, des corrections, un peu de papotage. On a découvert la chaîne de Léopold. Si vous aimez le bricolage, faut pas hésiter à y aller. On a vu un peu le nouveau site que j'ai fait pour l'apprentissage et que je vais sûrement développer avec mes élèves. Je ne sais pas encore comment, mais je pense qu'il y a quelque chose à en faire. Voilà. Donc j'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous n'avez pas attendu le dernier jour pour faire tous vos devoirs, parce que sinon... Ben, je peux vous l'assurer, ça passe pas, et c'est juste bon pour se stresser avec ses parents, alors que c'est pas la peine. Donc, ben écoutez, je vous dis bonne soirée. Tant mieux, moi aussi ça me fait plaisir. Après tout, quand mes élèves réussissent, c'est que j'ai réussi aussi. Hein. Allez, je vous dis au revoir, à bientôt, là j'ai des vidéos à aller regarder sur une chaîne. Au revoir et bonne soirée. Ah, et n'oubliez pas, si vous voulez, de voter pour le sondage, si vous voulez une vidéo live avec un professeur de SVT.